Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous ouvre nature peinture, là c'est le cas de le dire. Je sors de la douche, il est bientôt midi. La daronne n'est pas du tout dépassée. Pour tout vous dire, on s'est levé méga tard. Déjà Léo, je l'ai réveillé à 11h, le mec, grasse mat, enfin toujours plus l'adolescent. Et quant à nous, avec mademoiselle Oli, on n'a pas beaucoup dormi. Oli a eu 2 vaccins hier contre la méningite et ça lui a donné beaucoup, beaucoup de fièvre. Et autant vous dire qu'elle n'est pas comme son frère, elle supporte assez mal la fièvre. Donc hier, grosse crise de tremblement, des hallucinations et tout. Enfin, elle était complètement ailleurs et franchement, j'ai flippé. Donc, elle a très mal dormi. J'ai même pas encore ouvert mes volets derrière, c'est une catastrophe. Elle a très mal dormi et puis moi, je l'ai surveillée continuellement toute la nuit, donc j'ai très très peu dormi. Voilà, donc ce matin, quand j'ai vu que la fièvre était à 38,2, je me suis dit, bon, allez, vas-y, écroule-toi. Et j'ai dormi quelques heures, donc voilà ce pourquoi on est complètement à la ramasse. Et pourquoi Léo est avec moi aujourd'hui, puisque en fait il était avec moi toute la semaine puisque sa maîtresse est absente. Donc pas d'école pour l'abricot, on est que tous les trois aussi parce que Dadou est parti au Portugal pour des raisons personnelles. Voilà, il fait l'aller-retour cette semaine. Donc voilà, pour des raisons familiales, je vais pas m'étendre ici, ça sert à rien. Mais en gros, du coup, on est que tous les trois toute la semaine. Cet après-midi, j'ai ma tata qui vient à la maison et qui gardera les enfants pendant que je vais bailar un poquito. Et voilà, j'ai danse en fin de journée à 19h. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette ouverture de vlog. Je vais aller me mettre ma crème hydratante, me faire une petite tête, parce que là, franchement, j'ai une tête de... d'une daronne qui a pas dormi, qui a la serviette de son fils sur les cheveux pour les essorer. Et voilà. On va faire des poussins. Ok. Vous êtes en équilibre les gars, je suis pas prête là si ça tombe. Opération ravalement de façade. Plus vous êtes en équilibre mais vous êtes de travers, c'est ça le pire. En ce moment comme crème de jour, j'utilise la crème La Roche-Posay photocorrection quotidien. Réduit les rides, corrige les taches avec un SPF de 50. Et je dois avouer que j'aime beaucoup, elle est très bien, elle est assez épaisse. Au départ j'avais peur qu'elle marque, mais en fait non, même pas, elle reste pas blanche parce que je me suis dit SPF 50, ça va être une crème solaire genre en mode vénère, pas du tout. Et alors en ce moment le soir j'utilise cette gamme de chez Melvita Argan Bioactive. Alors on a le sérum qui est comme ça. Tadam. Ensuite on a le baume nuit régénérant et c'est vraiment hyper agréable à mettre sur le visage, j'aime beaucoup trop. Et pour finir on a le contour des yeux, pareil, qui est tout aussi bien, que j'aime tout autant. Donc ça, j'utilise ça le soir et franchement c'est pépite, j'adore. Bon, je reprends, désolée, je fais des allers-retours avec le salon pour voir si l'activité mise en place fonctionne bien avec Léo. Surveiller quand même Oli. Bref, petit fond de teint care pour camoufler la sale tronche. Bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas de boutons. Et ça, c'est vraiment très cool. Mais j'ai un peu de coupe rose et c'est vrai que j'ai jamais été très très à l'aise avec ça. Et vraiment, je ne jure que par ce fond de teint là. Pas trop couvrant, mais suffisamment tout de même pour camoufler les petites taches de rosacée et tout. Enfin voilà quoi, j'en mets parce que je me sens plus à l'aise d'en mettre, mais il est très bien. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Et comme j'en mets qu'une mini crotte, il dure des lustres avec moi. Moi j'utilise en teinte 20N. Pour ce qui est de la poudre, c'est la By Terry qui est genre méga 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 fluide. Pour le coup, tu peux pas faire plus fluide. Avant, j'utilisais la Laura Mercier. Pendant longtemps, j'ai utilisé la Laura Mercier. Mais là, j'avais eu celle-là dans un calendrier de l'avant, je crois. Elle est très bien, elle fait le job et tout. Elle matifie, c'est tout ce que je lui demande. Ah si, et surtout, je veux pas qu'elle ait de reflets flashback, et c'est le cas. Pour le bronzer, soit je prends celui de chez Physician Formula, donc celui-ci qui est très très bien, soit je prends le Chocolate de chez Too Faced. Voilà, c'est... j'en mets un peu là, un peu au front, un peu là et c'est fini. Ils ont tous les deux grosso modo la même teinte et ils sont tous les deux très pigmentés. Voilà, depuis que j'ai fait mes sourcils, gain de temps exceptionnel. Des fois je reste, bien souvent je reste juste comme ça. Mais je pense que là je vais mettre un petit peu de mascara et ça sera bon. Et pour ce qui est du mascara, je suis tombée in love de ce mascara là. C'est le Lash Paradise de chez Maybelline. Il est vraiment très bien et il a une brosse très... je suis pas très touffue, je sais pas comment vous dire. Et il dépose beaucoup de matière, c'est surtout ce que j'aime. Donc je mets un petit coup, vite fait pour dire deux. Et ça fait le job. Et quand je veux vraiment avoir des cils plus longs et tout, j'utilise le recourbe cils quoi. Mais là c'est juste pour dire de marquer le regard. Et voilà, en 3 minutes chrono, le maquillage est fait. Pour ce qui est de la... des cheveux, voilà. On en est là. Donc je vais tout démêler
Et je laisserai sécher l'air libre, je pense. Parce que flemme de faire un broche. C'est une catastrophe, regardez-moi tous ces nœuds. Voilà, déjà là, on y voit un peu plus clair. Et le tour est joué, l'affaire est dans le sac. Voilà, je suis prête. Prête. Toujours pas coiffée, mais ça va. Ça va vite sécher, hein. J'ai les cheveux très très fins. Mais mes cheveux mettent quand même toujours beaucoup de temps. Il y a un volet que j'ai pas accroché, il faut que je le fasse. Mes cheveux mettent toujours beaucoup de temps à sécher. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils sont très longs. Mais voilà pour ce qui est de la tête. Donc ça y est, je suis prête. Il est quand même, je sais même pas quelle heure, il doit être 12h30. Bon, et pendant que je me préparais, on a une choukinette qui s'est endormie en regardant son frère faire une jolie activité. Tu nous expliques ce que tu es en train de faire? Comment ça s'appelle? Un escargot. Ah, c'est un escargot. Bah bravo, parce qu'il est très beau. Ça, c'est trop cool parce que Léo aime tellement les activités comme ça. Je n'étais pas du tout cadré. Aime tellement les activités comme ça. D'ailleurs, je vous avais pas montré ces petits cadres. On a mis des petites réalisations dans des cadres, des petites réalisations de Léo. Là, c'est sa main là-haut et ça, c'est un de ses premiers bonhommes qu'il avait fait sur un papier. Oui, c'est cool parce que pendant qu'il fait ce genre de choses, je peux le laisser en autonomie et aller me préparer. Bon, ça va, je me prépare relativement vite, voire même très vite. Donc au final, en 10 minutes... même beaucoup moins, en 5 minutes j'ai fini, mais voilà, du coup je le laisse tout le temps faire un petit truc, je le mets en activité, je vais me préparer et comme ça bah, j'ai pas à être constamment sollicitée pour me préparer et c'est ma petite astuce, c'est vrai que ça marche plutôt bien avec Léo. Et si vous vous demandez ce que Léo est en train de faire, c'est ça, c'est des play mice, en fait c'est, je crois que c'est du maïs soufflé tout simplement, et j'ai eu la chance d'en trouver chez Action, et c'est très très cool de faire ça, en fait l'enfant juste trempe un petit truc comme ça, donc ça se présente sous forme de, vous savez les trucs un peu chiants qu'on reçoit dans les colis en fait, c'est tout simplement ça. L'enfant en prend un, il le trempe vite fait dans de l'eau et il le positionne comme il veut sur sa feuille. Il peut même les coller ensemble pour créer des figurines, je crois que sur le devant on le voit. Voilà, bon pour l'instant nous on est plutôt parti sur une feuille avec Léo parce que pour le moment c'est encore un peu trop complexe on va dire pour son âge de faire ça. Mais en tout cas, c'est très cool. Et je crois que chez Action, le carton vaut 2€ à peine. Donc voilà, c'est bon. Si vous... Ah, 70, d'accord. Si vous cherchez un truc cool à faire avec votre enfant, une activité, bah ça, c'est très très chouette. Bon, il est 13h20. J'ai pas mal avancé depuis tout à l'heure. Pour l'heure, on va manger parce que bon, il se fait tard quand même. Léo commence à avoir le ventre qui gargouille. C'est en train de finir de cuire. Pour ce midi, c'est très simple. C'est des croque-monsieur à la poêle parce que il nous en restait deux dans le frigo. Et en plus de ça, on essaye de finir les restes tout simplement. Donc, petit croque-monsieur comme ça qui sont en train de dorer, accompagné d'une petite salade. Voilà, ça fera l'affaire pour ce midi, il fallait les terminer. Donc comme ça, et bien c'est fait. Bon, ça y est, on a mangé, Léo est à la sieste, Oli est juste à côté de moi. Je vais préparer pour ce soir une tarte aux épinards. Donc pâte feuilletée, rien de plus ordinaire. Des épinards, j'en ai pas trouvé des frais en course, donc j'en ai pris des congelés que je vais faire décongeler pour les mettre ensuite dans ma tarte. Et je vais rajouter des petits dés de chèvre qui est dans le frigo. Voilà le chèvre, je vais faire un petit appareil avec de la crème fraîche, un œuf. Je vais mettre tout simplement les épinards, l'appareil, des petits dés de chèvre et le tout au four. Et comme ça, ce soir, pendant que je serai à la danse, ma tante aura de quoi manger avec Léo. Et puis moi, je mangerai ça donc en rentrant de la danse. Donc c'est parti pour la popote. Et voilà, c'est déjà prêt, ça part au four. Bon, Léo est réveillé de la sieste, j'ai pas mal bossé pendant qu'il dormait, Olivia aussi. Et on va faire cette petite activité pour cet après-midi. En gros, il va pouvoir créer ses petits lapins, ses petits poussins de Pâques avec des petits pompons et tout. C'est un kit qui vient de je ne sais où, c'est ma tante qui lui a offert. Donc voilà l'activité de cet après-midi, on va voir ce que ça donne. Léo est impatient de le faire, je crois. On commence par les lapins ou les poussins? Les poussins. Les poussins. Alors, señor, señor Léo. Señor maman. Señor maman. Señora maman. Et toi, t'es un niño. Quelle couleur le poussin tu veux le faire? Rose. Tu veux le faire rose? Non, ça, c'est pas. Tu veux le faire rose? Oui. Ok. Bon, voilà, est-ce qu'on n'a pas le poussin le plus cute du monde? Léo a choisi les couleurs, il a tout collé lui-même.
Voilà, c'est pour ma tata du coup. Et c'est parti pour la danse. Je vais m'arrêter juste avant à la boulangerie parce que j'ai envie de pain frais pour ce soir pour manger avec la petite salade et la tarte chèvre épinard. Je cherchais. Léo est douché, Oli est en pige aussi. Voilà, ma tata donc garde les petits pendant que moi je vais à la danse. Et bah voilà, du coup je vous ai pas trop repris cet après-midi parce que j'avais pas mal de choses à faire. Fallait que je change toutes les litières, il fallait que je mette une lessive, que j'en enlève une autre, que je rétende celle que j'avais mise, que je plie le linge, que je range le linge, que je fasse la salle de bain, que je nettoie les toilettes, que je fasse à manger pour ce soir, que je vide le lave-vaisselle. Bref, la to-do était assez longue, hein, mais une to-do lambda, mais qui prend toujours beaucoup de temps. Et encore, j'ai pas eu le temps d'aspirer et de laver par terre, mais ça sera pour demain. Voilà, bon, je vais à la danse. J'ai hâte, même si j'avais clairement la flemme d'y aller. Mais je sais qu'une fois là-bas avec mes copines, j'allais être contente. Mais c'est vrai que j'avais un peu la flemme parce que je crois que j'ai mes chères copines du mois qui ne vont pas tarder. Et je suis clairement fatiguée. Bon les petits loups, je vous reprends le lendemain de ce vlog. J'ai complètement zappé de clôturer le vlog hier. J'étais à la danse, ensuite je suis rentrée, on a mangé tous les trois avec ma tata. Et puis ensuite on a fait dodo, voilà, j'ai regardé Koh-Lanta et je me suis effondrée. Ce matin on a été apporter des petites jonquilles à ma grand-mère et Léo s'est pris une gamelle mais monumentale. Donc boss et tout, enfin bref, tout ce qu'il faut, j'étais en panique totale. Je vais clôturer du coup le vlog maintenant parce que je vais essayer de le monter pendant la sieste là, essayer de vous le poster au plus vite si possible tout à l'heure, mais je ne suis vraiment pas certaine. Ça aurait été un tout petit vlog je crois, mais j'étais contente de prendre ma caméra. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.